Wow! Let's watch some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! Hey, wait a minute, Rick, I thought this was a commercial, what's going on? I mean, don't worry about it, let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial! Et bonsoir tout le monde, bonsoir, comment ça fibre avec la fibre, ça stream avec la fibre, j'ai encore loupé des infos, et bonsoir Remix, incroyable, je suis en HD, en fait je ne suis pas à la maison, je garde la maison d'amis, je garde la maison des amis. Et en fait, chez eux, en fait, ils ont la fibre. Donc du coup, je stream avec mon PC portable et un petit peu du matos portable. J'ai oublié d'ailleurs mon casque, mais à coup de pas. Donc du coup, le micro passe par la Logitech, par la webcam. Mais incroyable, mais vrai, je profite et du coup, je squatte la fibre. Je squatte un petit peu la fibre. Profitons-en puisqu'il rentre demain. Donc demain, je n'aurai plus du coup l'accès à la fibre. Jusqu'au jour où, bien évidemment, à la maison, on aura la fibre. Mais voilà, punaise, c'est tellement beau en HD. on voit le crâne et tout en HD. C'est beau, putain, c'est beau. C'est pour ça, profitez, mais ne vous habituez pas, surtout ne vous habituez pas à Fouls en HD. Parce que Fouls en HD, vous ne le verrez pas encore.
vous ne le verrez pas encore, vous le verrez peut-être à partir de septembre, ou peut-être à partir de septembre 2024, voire 2025, voire 2026, voire 2027, voire 2027, etc., etc. Je vais pas en louper une minute. Ah, mais j'espère bien. Mais j'espère bien. J'avoue, c'est un petit peu la merde. Vraiment, je suis dégoûté d'avoir oublié mon casque à la maison. Bon, après, je suis pas très très loin non plus, mais j'ai une flemme intersidérale d'aller chercher le casque. Et le problème, c'est qu'en fait, voilà, il n'y a pas il y a que des prises jack. Et en fait, moi, sur l'ordi portable, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu la merde. Si j'avais un port USB, ça marcherait nickel. Mais bon, du coup, voilà, on fait comme ça, on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit, on fait à la zob. Hein. Tac, allez, let's go. Je vous propose qu'on passe de suite dans le vif du sujet, qu'on tranche complètement dans l'arc. Hop là, on tranche la trancheuse, schlac. Voilà, comme hier, c'était un petit peu le bordel, parce que la mise en place, etc., etc. Là, aujourd'hui, normalement, ça devrait être bon. On lance le jeu et on lance bien évidemment l'ASMR, bien évidemment, l'ASMR du jeu, l'ASMR Halo, bien évidemment, hein, parce qu'on est Halo. Alors oui, aussi sur l'overlay, j'ai pas configuré tout pour tout. Non mais allô quoi. Non mais allô. Tac, excusez-moi du coup, ça pose une soussaille comme d'habitude. Tac. Voilà. Je vais se profiter. Faut tout faire à la main parce qu'évidemment j'ai pas la Go XLR avec le mixage etc etc, c'est le bordel, mais c'est pas grave, hein. c'est comme ça qu'on aime les choses, hein, bien sûr on aime les choses faites à l'arrache. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, profite et c'est parti. Il faut aussi YouTube, ne t'inquiète pas, je vais upload bien évidemment la VO d'hier, donc du coup tu auras double VO, la classe pour toi YouTube. Donc un petit live, on va faire un petit live d'une heure à peu près. On va se faire une petite heure. Tranquille, il fait super chaud, j'en peux super plus. Mais c'est cool. Comment ça, l'autre potage? Ah, c'est que j'ai plus de batterie. Ah, j'ai plus de batterie sur ma clope. Super, formidable. Formidable, c'est génial. Allez, let's go. Donc on était là, on est le méchant. On incarne le grand méchant du coup, quoi, qui cherche, on va dire, un petit peu la rédemption. Ta-ta-ta, c'est le méchant. Moi, ce que je veux, c'est la super épée, hein. Fermez-la ou c'est moi qui vous fais taire. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, là, les petits mignons, là? Cessez le feu. Je me demandais qui des prophètes enverrait pour me tuer. Un orbiteur. Je suis flatté. Utilise un holodrome. Il doit être près d'ici. Sortez, on puisse vous tuer. Chacun son tour. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va le son? De votre côté, est-ce que ça va? Je sais qu'on n'a pas de micro. Le parasite est sur.
Voilà, le retour des parasites. Voilà, c'est le retour des zombies. Hop là, c'est le retour des zombies, ça y est. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le jeu? Mon dieu, un peu faible sur les dialogues, je trouve, mais bon, on s'en fout. C'est le simple jeu, je vais dire que ça passe quand même. Attends, tac, là, c'est le son du jeu. Hop là, voilà. Voilà, fois 100 HD, incroyable, Icuse. Et quoi, profitez-en. On va profiter parce que c'est une des rares fois que vous me voyez en HD. Hein. Voilà, c'est bon là. Voilà, le son est fort là. Merde. Tiens, vas-y, crève toi. Voilà. Voilà. Et merci Remix. Et merci Remix pour le sub. Mais si je chèque, j'aurai les larmes dans les yeux. Comme quand il n'y a pas la fibre. Vous fêtez ça, merci beaucoup. Ah, en plus j'ai pas, il faut que je mette le lien, j'ai pas mis le lien. Oh là là, putain, j'ai, je manque à mes obligations. J'ai pas mis le lien des alertes. Hop là, voilà, on va faire ça. Allez, arbiteur. Je suis un arbiteur. Hop là! Viens là! Non! Mais non! J'en ai marre de moi, putain, j'en ai marre! Putain, la fibre, on met toujours pas de skill, hein! Oh là là. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Voilà, on y va à l'ancienne. Hein. Quoi? Ça revient. Ah, ça descend, ça y est. La, 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 la. Tout, on m'a donné le titre parfait pour le clip. Merde. Aïe, aïe, aïe. La, 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 la. Oh, ça fait graou. Hop là. Comme c'est cheaté, c'est trop cheaté, cette arme est trop pétée. Mais putain, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Mais putain, mais pourquoi? Mais pourquoi, putain? Pourquoi t'as glissé? Putain, mais c'est pas vrai. Oh, mais merde! Jamais 200 croix. La fibre, mais toujours pas de skill, exactement. Oh la grisouille! Oh là 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 là. Ah, ça y est, ça arrive. Oui, mais... Ouais, voilà, ouais, faut pas trop s'approcher non plus, sinon je vais crever. Allez, voilà, dégage.
Oh. Oh. Oh, il est là, il est là. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Il en reste un. Où ça? Oh, mais je glisse. Ah, mais tire! Oh putain! Mais. Et je suis dans le vide solo. Quand même pas, quand même pas. Oh! Il m'a fait peur ce con. Attendez, je reviens. Juste la porte, elle a claqué. Ah, hop là. On se prend en air. Mais. Voilà. Ta mort sera rapide. Voilà, Vincent ici qui envoie une attaque sautée alors qu'il est plein du vide. Mais quoi? Mais c'est pas vrai. Mais là en plus je suis mort. Là j'étais mort connement là en plus. Là c'est une mort nulle. Voilà. Mais laisse mémé tranquille en 149, pas le doute, en 2014 tu as pu le faire. Je vais baisser la qualité. Je vais baisser la qualité. De toute façon, lundi la qualité reviendra en 540. Hein, donc ne vous habituez pas. Hein. Honnêtement, ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas hein, parce que. C'est du faux. Hein. C'est du faux. Mais du coup, quand c'est que t'as la fibre. En fait, là, je garde la maison d'un couple d'amis. Je veux dire, la maison des amis. La maison d'un couple d'amis. Et en fait, bah, chez eux, il y a la fibre. Du coup, je profite. Je profite, mais du coup, je sors mon setup. On va dire le setup portable. Le setup portable, mais sauf que, évidemment, hein, Foils nous fait une Foils. Si Foils n'oublie pas des choses, ce n'est pas Foils. Et Foils a bien évidemment oublié son casque micro. Évidemment. Donc ça, et puis je n'ai pas aussi bien setup le comme j'avais fait des changements, j'ai pas setup au niveau de l'ordi portable, donc du coup je l'ai fait un petit peu à la zob hier soir, juste avant de lancer live, et évidemment ça c'est pas drôle. Donc du coup c'était un petit peu le bordel. Tu la gardes longtemps, non, jusqu'à demain après-midi. Jusqu'à demain après-midi. Non, c'est cool de garder. C'est cool de garder une maison, mais c'est bien de rentrer chez soi. Je suis bien chez moi. Je retrouve mon setup. Voilà, c'est mon setup. Hein. Y a pas de problème, mais j'ai envie de retrouver le gros setup, le gros setup de stream. T'as envie de retrouver ton chez toi, quoi. C'est bien chez autres, mais. Voilà, tiens, vas-y, hop là, bim. Ça y est? C'est bon? Allô? Voilà, let's go. Ah, il y en a encore. Ok. C'est pas trop grave. En plus, c'est pour 2-3 jours, ça va. Oui, non, encore ça va, c'est 2-3 jours, donc ça va, c'est cool. Attends, tu m'as dit. Attends, parce que du coup, tac, c'est pas trop grave en vrai, mais tu devrais en profiter pour tes mises à jour et tout ce que t'as besoin. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait du coup.
C'est ce que je fais, mais après tout ce qui est mise à jour, tout ça, tout ce qui est DL, comme c'est un ordi portable, je l'emmène au boulot. Et au boulot, il y a la fibre aussi, donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y avait une mise à jour de genre 30 gigas, et je sais pas pourquoi la fibre, elle était à la ramasse, mais elle était vraiment à la ramasse de chez ramasse, quoi. C'était plus rapide que chez moi, ça, il n'y a pas de souci. Mais genre, je téléchargeais, chez moi, je télécharge à 1 MO, tu vois, un truc comme ça. Là, j'étais à 7-8 MO. Tu vois, j'étais là en mode, bon, ben, la fibre, le scam, quoi. Donc, je pouvais quand même faire le live à côté, je pouvais quand même, j'avais lancé le live. Mais à côté de ça, du gros scam. À côté de ça, c'était un petit peu du gros scam, quoi. C'était la fibre du scam. Oula. Voilà. Ouah, putain, mais c'est bien fait, là. Les petites merdouilles, là, elles sont mieux que le 1. C'est mieux fait que le 1, là, les parasites. C'est mieux fait que le 1. Autant le 1, c'était sympa. Mais là, le 2, tu vois, on voit vraiment les parasites qui prennent le contrôle du corps. C'est bien fait. C'est bien fait. Après, tu vois, là, au niveau du clavier, tu vois, je me défonce les doigts, quoi. C'est pas du tout mon clavier, je me nique les doigts. C'est horrible. Mais d'un côté, il voit vivement que je rentre à la maison, là. Là, des fois, tu télécharges pas vite, mais c'est aussi imputable, ça va, ce téléchargement, c'est pas forcément de la fibre. Là, ça venait de la fibre. Là, ça venait vraiment de la fibre, c'est même pas le serveur, ça venait vraiment de la fibre. Je pense qu'en fait, il a un problème avec son RJ45, et des fois, il y a un faux contact. Des fois, il y a un faux contact, ça dépend comment tu l'insères, le RJ45, hein, le RJ45. Hein. On parle d'insertion de RJ45 dans l'ordinateur, hein, dans le port RJ45. Voilà. Ouais, je vous connais, hein. Je vous vois venir. Donc on parle d'insertion dans un port RJ45, hein, on parle pas d'autre chose. Titre, ouais, titre. Oui, titre. Ouais, exactement, Remix, ouais, titre. Titre, ça c'était le titre de notre dernière rencontre. Oh putain, ça, c'est Remember, t'inquiète. Ah ouais, mais je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça en 1080 par contre. De quoi, l'insertion d'un port RJ45 dans un... justement, dans un port RJ45. Ah mais c'est intéressant, hein, c'est bon à voir. Hein. Plus moi ton RJ45, une production First Cell. pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut exister, hein. Bon alors, je sais pas où aller, là. Putain, c'est chiant, là. Là, le jeu me donne zéro indication. Je suis encore perdu, ça y est. Bon, en même temps, c'est Halo, c'est normal. Putain, j'ai chaud. Ah bah oui, ah d'accord, ok, oh. Do not make sense. Proper protocol for a flood outbreak is to establish immediate infection reporting. Communications must be maintained with all local forces in order to track any spread of the parasite. There are no local forces, Oracle. Now, all you have is me. But I tracked multiple ships in orbit, including some remaining human presence. In light of the danger posed by the flood, surely you can set aside this disagreement with the humans. No. Anything still alive in orbit is our enemy. The humans have very good cause to kill us on sight. And the knowledge you've shared with me casts doubt on the entire purpose of our covenant. If any of our ships remain above us, they are not the help you seek. But why would they not provide assistance? Because of this talk of prophecies and journeys? I learned a small amount about your covenant before that reclaimer blew up my installation.
but my understanding is incomplete. The AI I encountered on board one of your ships was less than four. Je peux faire mon excuse, mais parfois dans les jeux, je suis même poursuivi l'aventure pour être indiqué par une porte ou un couloir. Ça peut être des indices importants quand on est dans une pièce pour en sortir. merci. À trop tard maintenant, hein. Ça y est, je suis sorti, hein. Sorti de la pièce, hein. Ouais, merci, hein. Merci, Captain Obvious. Ah, bon, bah, c'était juste pour une cinématique. En plus, c'était juste pour une cinématique. C'est vraiment de la merde. Donc, c'est de la merde. Donc, on va se référer au conseil. Au conseil, selon... la prophétie selon Icusb. Donc il va falloir chercher un couloir ou une porte. Pour éviter le spoil. Pour éviter le spoil. Ouais non mais là après on peut me spoil. Hein. Là à ce stade on peut me spoil parce que là je... Ah et oui il y avait un truc là. Ah non mais ça c'est pour l'équipier on s'en fout. Là peut-être, hein, peut-être en fait... Peut-être qu'il faut jump là, peut-être qu'il faut sauter. Parce que des fois c'est des conneries comme ça. Hein. Peut-être que c'est un truc de merde. Ou pas. Ou pas, bon. Alors. Le super gameplay, hein, le gameplay de fou. Voilà, gameplay. Hérétique, au-dessus. Tu n'es pas un guerrier. Oui. En fait, voilà, il fallait juste se mettre dans un endroit pour lancer la vague d'ennemis. Voilà, putain, c'est putain, mais c'est. Mais c'était logique, quoi, c'était logique, bien sûr, bah oui, bah normal, quoi. Normal, oui, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh, ça me saoule, ce genre de truc, putain. Sans déconner, quoi, c'est trigger, quoi. Voilà, bah il fallait faire ça. Voilà. C'est bon, il y a des mobs et pété du bulbe. Hein. Elle est complètement pété du fiac. Hein. Elle est complètement pété du fiac. Bon, après, on peut l'expliquer. On peut l'excuser. C'est un vieux jeu. On peut l'excuser. On peut dire d'accord. Moi, ça s'en déconne. Mais il vient se placer dans le poteau. Il vient se placer dans le poteau. Mais grâce aux 6 statiques que moi sur Apex. Ouais, c'est un peu ça. Bon, ils se mettent au milieu aussi, hein, normal. Hein. Ben oui, mais tu restes au milieu, là, Jeannot. Ma pote, hein, si tu restes au milieu. Hein. Et toi, hop là, ça dégage. Si je bouge pas, il me verra pas. Je ne bouge pas. Sa vision est basée sur le mouvement. Jurassic Worlds. Jurassic Worlds. Voilà. 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 Savage. Ah. Incroyable. Quand tu sales trop, tu mets le cri du T-Rex. Oh!
tu devais faire ça. T'as raison, putain, c'est vrai, oui. Oh, super idée. Oh, génial. Mais crève, voilà. Et toi aussi. Voilà. Encore. Ah, merci. Merci Rémix. Ouais, c'est une super bonne idée, ça. Ah, ça y est, la porte est ouverte. Voilà, c'est bon. Let's go. Point de contrôle terminé. Ouais, je sais, j'ai plus beaucoup de munitions. Allô ? Chef, l'orage va tomber. Nous pouvons maintenir notre position. Faites venir les fantômes près de lui. Nous partirons une fois le chef éliminé. Voilà. Ok. Mais non, oh merde, pardon. Mais. Voilà, nickel. Mais non, ça va chier. Maintenant ça chie des bulles. Mais oh, putain. Boum. Voilà. Je t'ai même applaudi un peu trop dur. Oh mais t'es un amour Remix, t'es un amour, merci beaucoup. Oh là là. Oh merci beaucoup quoi. Ah oh, bah nickel, bon, il n'y aura plus qu'à. Il n'y aura plus qu'à. Il y a déjà la commande. Il y a déjà la commande pour l'exclamation cri. Franchement, c'est tellement bien. J'imagine. Mais j'imagine le truc. Mais il y a déjà celle-là. Tirez. Oh. Oh. Tirez d'un cri réel, hein. Mais putain, mais... Mais jamais il meurt ? J'aimerais... Ouais, Ah ! Cinématique. Cet abri me protégera de la tempête, et tu seras entièrement rongé. Arbiter, où est-il ? C'est un pied, c'est retranché là-dedans. On ne pourra jamais y pénétrer. Nous devons donc le faire sortir. Comment ? Ce câble. Je vais le couper. Que tout le monde retourne au vaisseau. Retournez à la zone d'atterrissage. L'arbiteur va monter, détacher cette station et faire sortir l'hérétique de son trou. Allez, c'est parti. Le Seigneur, guidez votre bras. Nous n'oublierons pas votre sacrifice. Prenez ma lame. Le câble n'y résistera sûrement. Ce nu l'arbiteur, nu. Toujours les mêmes, hein. Mais faut que j'aille où? C'est sûr que c'est là?
je vais récupérer ça. Parce que là, ok. On a la porte qui est verrouillée, ok. Donc peut-être qu'il faut monter en haut. Il y a des trucs en haut. Voilà. La bagarre. La bagarre. Attends. Voilà, la bagarre. Mais ça suffit. Mais ça meurt jamais. Ça ne meurt pas. Mais stop. Oh, vous avez crevé un peu ou comment ça se passe là? Non mais ça suffit. Putain de merde. Ça veut pas mourir. Ça meurt. Non mais c'est à un moment donné, j'ai plus de munitions quoi. Voilà, hop là, c'est bon. Ça suffit, il y a nettoyage à sec là, ça suffit. Voilà, on va récupérer ça. C'est bon? C'est bon là, l'acharnement là? Ah. Voilà. Là, les petits vaisseaux comme ça là qui cassent les couilles. On va les faire au fusil. Mais quoi? Voilà, hop là, ça découpe pas. Hein. Allez, hop là, on trage dans le lard là, ça suffit. Toi aussi. Putain! Mais c'est pas vrai! Putain de merde! Coucou! Salut! Ah, évidemment, j'ai plus, voilà.
Voilà. Ok, 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 ok. Mais dégage, 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 dégage. Voilà, nickel. Voilà, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Voilà, et de deux. Ah putain, mais ça suffit. Dégage. Dégage. Voilà, ça y est, c'est bon. Putain, mais évidemment, c'est toujours en mode faire ça le boulot, quoi. Putain, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se touchent les couilles. Ouais, ils se touchent les boloboles, là, tranquille. C'est Bibi qui fait le sale boulot. Comme toujours. Voilà, et c'est Bibi qui allait savonner sous les pieds. Ah, du sel. Du sel, du bon sel. Oh, le bon sel, oh, le bon sel. Voilà, là, ça c'est fait. Voilà. Il y en a un qui est caché ou pas? Je suis caché. Ouais, ouais, il est caché. T'es caché. Voilà. Hop là. Excellent. Ah, j'adore. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Balle pour carabine. Ok, nickel. Nickel, nickel. Pam 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 pam. Donc si on se réfère à la théorie de Saint Icusbe. Ah merci. Ah voilà, d'accord. Voilà. La théorie du complot. Ah non. La théorie du Saint Icusbe. Donc là, normalement, ça, il va y avoir des vagues de mobs, là. Là, normalement, la logique voudrait qu'il y ait des vagues de mobs. C'est à partir du moment... Voilà, à partir du moment où tu touches quelque chose, voilà, qui a un rapport avec le scénario... Voilà, à partir du moment où ça touche le scénar... Oh la vache. Et maintenant? J'aurais pu rester comme ça pendant... J'aurais pu rester comme ça... J'aurais pu rester pendant... Pendant 10 minutes et quart d'heure... Ah oh putain. Ouf. Oh, il fait chaud, bordel. Oh, j'ai trop chaud, putain. Hop là, nos vies pour la vérité. Toujours vivant, toujours, toujours. Ah, peut-être que c'est en haut, peut-être que c'est en haut, merde. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da.
Dans le fiac. Bah non. Bah non, c'est où? Ouais, normalement c'est là-bas. Normalement c'est là. Mais le problème. Un grand père Simpson. Un grand père Simpson. Robateur. Captain Grab. Faut s'appeler téléportation. Coucou Liam, comment ça va? Star Wars! Instant Star Wars! Uuuuh! J'avais pas quitté le live, mais vu que t'as déménagé, tu gardes une maison, c'est vrai. Non, je garde juste une maison, j'ai pas déménagé. Faut pas rêver. Non, faut pas rêver. Ne vous habituez pas, ne vous habituez pas à cette super qualité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là, vous pouvez le dire, c'est du scam. Encore du scam. Non, vous avez l'habitude. Mais non. Tu l'as dit, toujours en vie, hein. Il est toujours vivant, toujours debout, hein. Il est toujours en vie, hein. Juste, il suffit que je dis ça pour qu'il meure. Toujours envie, ouais, boum, je meurs. La qualité du son, par contre, ouais, non, la qualité du son est dégueulasse, je suis désolé. Non, je suis vraiment désolé pour la qualité du son, j'ai oublié mon micro, j'ai oublié le micro à la maison. Du coup, ouais, la qualité est dégueulasse, et puis même, j'ai pas l'interface audio là en plus. Du coup, c'est un peu la merde. C'est ça quand t'as pas ton interface audio, c'est vite la merde. Donc du coup, j'utilise le son de la webcam en fait. Mais putain, mais cassez-vous! Voilà. Let's go. Toi, pète. Voilà.
Bon, la Philips, c'est une qualité en potagne, oui, son micro scammer, mais c'est scammer jusqu'au bout. Ah, écoute, on scamme ou on scamme pas, hein. Mais moi, je tiens mes paroles, je tiens promesse. Hein, du scam, c'est du scam. Et c'est du scam jusqu'au bout. Attention. Nous, on fait du scam, mais du vrai scam. Allô? Ouais, je veux bien récupérer des munitions. Ok. Toujours vivant, rassurez-vous. Merci pour le clip remix. Toujours vivant, hein, toujours vivant, soyez rassurés. Nous sommes rassurés. Donc plus de voir plus de pixels pour lui faire ma clip. Bâtard. Non mais c'est quoi ce scam là? Je vais les tuer. Mais non mais jamais il pète. Oh super, j'ai plus qu'une arme. Oh là là. Voilà, j'ai plus d'armes. Oh, super. Voilà, ça va réveiller encore des cadavres. Qu'est-ce que c'est que ça? Le lance-flamme. C'est le lance-flamme. Mais quoi? Mais quoi encore? Mais pourquoi je suis mort? Mort ou vif, enfin plutôt mort, ah oui, bah oui, bah oui, plutôt mort, ah oui, ça oui. Ah non, mais sérieux, je recommence là? Ah, vas-y, c'est bon, allez, speedrun. Nique ta mère, le jeu. Ah, nique ta mère, allez, c'est bon, vas-y, c'est bon. Fais-moi venir tes merdes là. Voilà, let's go. Ah, c'est là. Alors c'était là à la porte, putain. Oh merde. Speedrun!
Dégage! C'est par où? Vite! C'est par là! Non! C'est par là! Non! Je sais pas où! Je sais pas! Yeah! On se casse de là! Yeah! Let's go! Ici, Hérédique. Arbiter, je préfère mourir ici plutôt que d'accomplir la volonté funeste des prophètes. Qui t'a raconté ces mensonges? Bonjour, je suis 343 Curtis Spark, je gère l'installation 04. Demande à l'oracle ce qu'il sait sur Halo, il nous sacrifierait pour rien. Des questions? Génial! Heureux de pouvoir vous aider. Les élites ne voient rien, Arbiter. Alors, je leur ouvrirai les cieux. Eh quoi? Allô? Ah bah oui, oui, bah oui, bah oui, mais j'ai plus de munitions en fait. Super. Ah, ah, c'est pas lui. C'est un hologramme. C'était Mélenchon, c'est un hologramme. Ok. Ok. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Let's go. C'était vraiment un très bon élève. Je n'avais pas le choix, Saint Oracle. Il mettait le grand voyage en danger. Oracle, grand voyage. Pourquoi utiliser partout ces mots qui ne veulent rien dire? C'est l'oracle. Le voilà. Venez, nous quittons ce système. Ah bah let's go. Dérivant, les nacelles sont HS, je dois redémarrer tout le système. D'accord, et voyez où nous sommes. C'était un peu brusque, désolé. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Major? Pas de problème. Commandant, on a repéré quelque chose, regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un autre halo. De quoi? C'est donc ça que mon père avait trouvé? Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier Halo. Plan, installation, tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. À vos ordres. Où est notre cible? Le vaisseau ennemi stationne au-dessus de l'anneau. Nous allons passer juste au-dessus. Parfait.
Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le prophète du regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous l'a. Sécurisez la zone. Sergent, préparez deux pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendez. Contact cible dans 5. Accrochez-vous bien. Que plus de bruit n'est pas possible. Quoique. Ah bah voilà. Bah voilà, on est bien là. Tac, on va sauvegarder. On va sauvegarder, comme ça on se garde un petit peu. Là ça nous fait une heure de live, impeccable. Et ça nous donne un petit peu de matière pour... pour la semaine prochaine. Voilà, sur un fond musical. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau, avec cette sainte fibre, bien évidemment, hein, c'est magnifique. C'est magnifiquement beau, c'est magnifiquement beau. Ben voilà, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, parce que j'ai du boulot. J'ai encore plein de boulot. Tac, hop, on fait revenir au bureau. J'ai encore plein de trucs à faire, j'ai encore plein d'obligations à faire. Donc du coup, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Mais bon, en tout cas, c'était cool, une bonne petite heure de live, là, c'est sympathique, on profite un petit peu de la fibre, malgré le setup à la Zub, mais alors vraiment, à la Zub de chez Zub, hein, vraiment, on fait ça à l'arrache, mais bon, au moins, déjà, on est là, c'est déjà une bonne chose, voilà. J'en reviens toujours pas, pour ce live sauvage en 1080, mais de rien, bah merci à vous, merci d'être là, hein, merci d'être venu, merci d'avoir assisté à ce grand moment de live, justement, de live en 1080, et vous imaginez quand même, parce que là c'est une petite C920, avec un son dégueulasse, mais imaginez, avec tout le setup qu'on a à la maison, imaginez qu'on est, le jour où on aura la fibre, ça va être explosion. Une capture d'écran que je vais imprimer encadré chez moi. Ah, mais j'espère bien. J'espère aussi, n'hésite pas, Remix, à soumettre cette capture d'écran pour la prochaine Pixel War. Pour la prochaine Pixel War. Comme ça, sur le côté français, on pourra mettre cette image. Du coup, cette image en 1080, mais 1080 pixels. Ouais, 1080 de pixels, et ça va être formidable, franchement c'est formidable, parce que vraiment c'est plus que mémorable, j'attends Remix, qu'est-ce que tu vas nous dire, le projet est fou. Ah ouais, non mais là il faut soumettre cette idée, quoi. Je pose ça là comme ça, hein, innocemment, et puis après, let's go, hein. Le projet est plus que fou, et attention, regardez, paf, j'ouvre, fais-nous un grand sourire, fixe à la cave. J'ai fait ça sur plusieurs angles, comme ça tu pourras sélectionner le meilleur.
tu pourras sélectionner le meilleur sourire. Là, YouTube doit se dire, mais je suis chez les fous. Bah oui, vous êtes chez les fous. Vous êtes chez Fouals. Vous êtes chez les Fouals. C'est normal. C'est normal. Vers qui je peux vous envoyer ce soir? On a notre ami Camille qui est sur un historique élémentaire, mon cher Watson, qui nous présente un animé. Regarde un Discord là, je vais regarder. On va regarder ça. C'est bien, c'est qu'en plus on peut ouvrir le Discord en live. Discord télécharge des mises à jour, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, on a Twitch en arrière-plan. Putain, c'est magnifique quoi, c'est magnifique. Franchement, putain, c'est magnifique quoi. Que demande le peuple si ce n'est que la fibre? Vraiment. Ah, il regarde, c'est quoi? C'est Death Note en plus qui regarde Camille. Hey, il regarde Death Note. Oh, incroyable. Incroyable. Attendez, on va regarder ça. On va regarder ce que Remix nous a mis dans le Didi. Tac. On va faire ça. On va même assister en live. Tac. Et on va faire capture d'écran. Ouais, capture d'écran. Clac. Non, pas celle-là. Ah voilà, pardon. Pardon. Voilà. Je fais des bêtises. Oh là là. Oh, oh là là. On va essayer de faire un Inception. Inception. Comme ça. Alors, on a le bras comme ça. Il est comme ça. Comme ça, non, comme ça. On voit la sueur et tout. Incroyable. Incroyable. Top poisson HD, j'ai envie de chialer tellement l'émotion est forte. Ah, oh, c'est magnifique. On va mettre un j'adore. Et on va mettre un Dante qui... Waouh! Oh là là, regardez-moi ça. Incroyable. Oh, trop beau choix. Est-ce qu'on en profite un max? Le smile Colgate. Ah là là, bah oui, là on en profite. On en profite à fond les bananes. Hein. On en profite à fond les bananes. Profitez-en. Hein, parce que là, vraiment... Mais vous imaginez, là, d'un coup, là on rentre à la maison. Admettons, on rentre à la maison. Et là... Pouf, genre 15 jours, 3 semaines après, on reçoit un mail, on reçoit une information comme quoi la fibre est en cours de déploiement. Oh, ce serait juste extraordinaire. Mais non, tu as raison, Icuse, ça n'arrivera pas, t'enflamme pas. Ben non, malheureusement, non. Je tablerai sur septembre. Je tablerai sur septembre, honnêtement. Mais ouais, faut pas s'enflammer. Faut pas s'enflammer, mais bon. Allez, on va aller du coup chez notre ami Camille qui nous fait une... Je suis désolé de péter vos espoirs à chaque fois, mais il faut que quelqu'un s'en charge. Mais après, le pire, Icuse, c'est que tu nous pètes, tu pètes nos espoirs, mais surtout, tu as quand même des talents de mentaliste. C'est-à-dire que le mec, il va le dire, mais c'est ce qui va se passer. Oh, Icus, s'il te plaît, fais-nous une prédiction, là. Fais-nous une bonne prédiction, s'il te plaît. Mais déjà, fini, là, je m'insure, je suis effectivement très chaud. Fais-nous une prédiction, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on aura la fibre, d'après toi, d'après ta grande clairvoyance? Allez, prédis-nous la fibre, s'il te plaît. Regarde, je bois du coca-vanille. Oh, même le coca, on le voit en HD. Incroyable. Je pense qu'on va avoir la sortie de Skillsong déjà. Oh le bâtard. Est-ce qu'on aura la fibre avant le jeu de pirates d'Ubisoft? Est-ce qu'on l'aura aussi avant Beyond Good and Evil 2? Est-ce qu'on l'aura... Ah bah là oui. Je me rappelle même plus du nom du jeu de pirate, tellement que c'est
du scan tellement que c'est de la merde. Punaise, la prédit. mais pourquoi c'est pas du stream, poil, ça, je sais bien, on va même la CGI avant de 2022. Ben oui, pourquoi si peu de stream? Parce que j'ai encore plein de trucs à faire, malheureusement, Liam. J'ai des trucs. Faut que je prépare à manger, faut que je prépare le repas. Faut que je prépare le repas, hein. Je suis pas tout seul. Qui va arriver en premier, la fibre ou Silk Song? Alors, Silk... Silk Song... Faut regarder les infos. Une très mauvaise nouvelle qui va faire mal. C'est énorme coup dur, ce jour qui va faire la main sur Hollow Knight Silk Song d'ici peu. Aïe, aïe, aïe. Est annoncé 2 ans après la sortie, gna gna gna. Un nouveau trailer en juin 2022. Il s'est fait très discret. Oh putain. Coéquipe solaire, non, on regarde pas sans lunettes spéciales déjà. Oui, mais moi ça va, je suis immunisé. Je suis immunisé sur Silk Song. Il y a aucun problème, je suis immunisé. Moi, Hollow Knight, c'est pas mon truc, donc ça va. Parce qu'il y avait pas payé, ça peut être un jour pour nous de revoir Fox en HD d'un coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme une éclipse solaire. Ah, voilà, je comprends mieux pour le produit commun. garçon protection, mais justement, il limite notre exposition. Et oui, non, parce que, c'est, regardez ce crâne qui lui, je vais prendre ma douche aussi, j'en peux plus, là. Je coule l'eau, là. Fait trop chaud. Pour le calcul, j'ai le même, exactement, Icus, bah tu as le même, donc tu sais ce que c'est que d'avoir chaud. Mais oui, mais à petite dose aussi, à petite dose, parce que c'est bien de profiter de poils sans HD, mais à petite dose, comme dit Icus, vous êtes pas prêt, et physiquement, vous êtes pas prêt. Vos yeux, vos écrans ne sont pas encore aptes à m'accueillir en HD. C'est compliqué, mais voilà, faudra passer du 540 qui est un stream sur 3 au 720p jusqu'à ce qu'on ait un stream complet, puis on passera à 720p au 1080 ou 6 mois. Ce qu'on peut dire, exactement, c'est vrai. C'est comme les paliers de pression quand tu fais de la plongée sous-marine. Exactement, regarde, c'est con à dire, mais regardez ce qui s'est passé avec le sous-marin, hein, quand il est allé voir le Titanic. Voilà, il avait vu le Titanic en 540 jusqu'à présent, et puis d'un coup, pouf, paf, 1080, il a implosé. Ben, c'est pareil, là, vos écrans, ils vont imploser. Si on me voit trop en 1080, vous allez imploser. Vous allez imploser dans les secondes qui vont suivre. Donc non, sinon on va imploser. Exactement, Remix. Vous allez imploser, vos écrans vont imploser, et vous allez... Hop, vous allez être réduit. Hop, comme ça. Donc non, justement non, je veux limiter ce genre de choses. Mais j'ai pas ma dose de sel. Il y avait du sel pourtant, hein, il y avait du sel, hein. Tu as raté un peu de sel, hein. Il y avait un peu de sel quand même. Hein. Il y avait un peu de sel aujourd'hui. Mais justement, c'est pour éviter une éventuelle implosion. Mais attendez, vous imaginez là, vous, une implosion, hein. Non. Faut faire attention, faut faire très attention. Faut faire très attention. Donc c'est pour ça que on limite, hein, et puis les miracles, ça se savoure aussi, ça se savoure à petite dose, et puis au moins, là, vous allez pouvoir dire, tiens, si je veux du Foils en 1080, ben paf, je vais sur la chaîne YouTube de Foils, je tape point d'exclamation YT, et là, j'ai le lien qui va s'afficher ici. Et là, je vais cliquer sur s'abonner à la chaîne YouTube, comme ça, je m'abonne également, parce que je suis abonné à la chaîne Twitch de Foils, mais je vais m'abonner à la chaîne YouTube de Foils pour visionner les VOD. Et là, à tout moment de la journée, je me mets ma petite dose de Foils en 1080, oh, et ça fait du bien, et ça fait le plus grand bien. Je Google... Il a vraiment imposé le sous-marin. Oui, le sous-marin a vraiment imposé, ouais. Ouais, il a vraiment imposé, parce qu'en fait, le sous-marin n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à voir le Titanic comme il est, en fait. Donc, ils l'ont juste vu. En fait, le sous-marin était fait pour le voir en 540p, et non pas en 1080. Et du coup, hop là, quand on met quelque chose qui doit être piloté par les professionnels entre les mains d'un riche... Exactement, mais c'est pareil aussi pour la fibre, hein. Voilà, il faut justement mettre la fibre soit pilotée par des professionnels.
et non pas entre les mains de riches. Bon, je suis pas riche, hein. Malheureusement, je suis plus professionnel que riche, mais... Tellement professionnel que j'ai fait ça avec, avec les pieds. Un temps piloté un sous-marin avec une manette Logitech, exactement. C'est vrai. Mais c'est vrai en plus. Mais ça, c'est piloté un sous-marin avec une manette Logitech. Votre manette a été déconnectée, mais en plus, elle était en Bluetooth en plus, il me semble. Mais ça, c'était en Bluetooth, mais j'en ai complètement barjot, quoi. Complètement barjot, quoi. C'est de la couillasse. Hein. C'est de la couillasse plus plus, hein. De la couillasse plus mille, hein. Vraiment. Vraiment du grand n'importe quoi. Bon, je vous propose qu'on passe du coup chez notre ami Camille qui nous fait une rétrospective d'animé. Son Anistory à l'Anistory 44. C'est bien, ça nous permet aussi de voir un petit peu les animés. Surtout, c'est qu'il explique avec véhémence l'animé. Donc on va écouter. Alors ça, c'est connu en plus sous le nom français, bien vu dans Neuro le Venge Mystère, ou en japonais Majin Tante no Gami Nero. Voilà, en plus il nous explique vraiment les animés. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc moi, ça vous fait découvrir un petit peu autre chose. C'est vrai que c'est plutôt rare. Et surtout, je suis fasciné par ce genre de rétrospective de la part de Camille, parce que déjà c'est vraiment un puits de connaissances par rapport à ça. Mais surtout, c'est qu'il évite les bans, il évite de se faire strike. Et ça, franchement, je dis respect, parce qu'alors franchement, il évite les bans. Il évite de se faire striker. Et bonsoir au numéro 9. Oh, tu arrives sur la fin, au numéro 9. Aïe aïe aïe. J'arrive pile sur la fin. Oh merde. Aïe aïe aïe. Ah merde, j'ai plus le chat. Ah c'est ça y est. Dommage. Aïe aïe aïe. T'arrives sur la fin. Ah oh, là 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 là. Mais pourquoi pourquoi ça ne défile plus? C'est de la merde. Allez, let's go chez Camille. Nous, on se retrouve dès lundi 19h30, ici même. Enfin, ici même, ce sera plus ici, dans ce décor. Ce sera dans le décor classique et habituel pour le Nuzlocke sur Pokémon Emerald. Et malheureusement, on repassera en 540. Hein, on repassera en 540p, malheureusement. Allez, let's go chez Camille, c'était Foils, des gros bisous, ciao ciao.